Salut les petits loups, c'est Best of MotoGP. Je tenais absolument à vous souhaiter une très très bonne année 2023. La santé principalement, plein de bonnes choses, le bonheur, la réussite. Et je voulais également souhaiter que ce soit peut-être un Français qui gagne le championnat MotoGP de cette année. On verra bien. Et à ce sujet, je voulais vous parler de l'actualité, en tout cas la prochaine étape pour ce championnat 2023, puisque ce seront les tests hivernaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis impatient de retrouver nos champions MotoGP face au chrono. Alors la prochaine étape, ce sera le test shakedown de Sepang du 5 au 7 février. Ensuite, nous aurons un test à Sepang à nouveau du 10 au 12 février. Il y aura enfin un test de Portimao du 11 au 12 mars, avant effectivement la première course de la saison. Sachant que cette année, ce ne sera pas le Grand Prix du Qatar qui débutera la saison de MotoGP, mais ce sera le Grand Prix du Portugal le 24 mars, alors que le Grand Prix du Qatar, lui, n'arrivera qu'à partir du 17 novembre. Donc, un petit peu nouveauté cette année. Donc, je vous mets justement le calendrier juste ici. Sachant que moi, mes attentes particulières, c'est outre de voir Fabio et Johan performer, je suis assez curieux de voir ce que donnera Jack Miller, que j'aime beaucoup, sur la KTM officielle. Je suis aussi curieux de voir ce que peuvent donner Johan Mir sur la Repsol Honda officielle et Alex Rins sur la LCR Honda. Et puis, de la curiosité quant aux performances des Aprilia de l'équipe de Razan Razali, RNF With You, qui ne sera plus avec Yamaha. Donc Yamaha, l'année prochaine, vous le savez, n'aura que deux motos, les deux motos officielles. Et il y aura deux Aprilia supplémentaires donc chez RNF Aprilia, avec notamment Miguel Oliveira. Donc je suis curieux de voir aussi les performances de ce team. Voilà. Je trinque avec vous, je vous rassure, c'est même pas de l'alcool, c'est un petit jus de pêche, enfin voilà. C'est fake, mais c'est pour la bonne cause quand on prend la route. Et puis, salut motard, soyez prudents sur la route. On attend le printemps, on attend les bonnes conditions pour reprendre le guidon. Et bien en attendant, on va avoir un petit peu d'actualité avec les essais MotoGP. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi quels sont vos pronostics sur les essais à venir. Et puis, on croise les doigts pour nos Français, bien évidemment. Allez, salut les petits loups, bisous, ciao.